Hey, hey, hey! C'est le jour des récoltes pour Iowa dans le richissime archéologue. Et les gnomes commencent à fuser. Et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On est coincé encore à la maison pendant un certain temps. Hein. On était rentré des Salvador Adda. Le but, ce sera peut-être... Oui, de faire le tri dans nos trucs, d'ailleurs, créer les... Ouais, les reliques et tout. Et puis, on essaye d'avancer dans les collections, quoi, comme d'hab. Pour la relique, il nous manque celle de Palampalso. Voilà, à fusionner avec la... Non, pas la mort, le chaos. Parce que là, on a déjà l'observateur et la mort, donc c'était le chaos... Voilà, puis après, bon, bah, on a déjà celle-ci. Avec la base comme ça, on peut pas les désolidariser. Donc, ben, voilà. Et on n'a pas de cristal à insérer. C'est pas grave, on va en faire un. D'ailleurs, je pense qu'il y a le cristal encore là. Et bah, super, tu pourras m'en faire un. Tu pourras faire un cristal à partir de la clandestine, là. Qu'on avait récupéré sur Sixam. Voilà, voilà. D'ailleurs, on va sûrement y retourner à Sixam. Je sais, c'est chiant, ça va être beaucoup redondant et tout. Mais le temps de trouver... Tout ce qu'il nous faut pour les collections, ce sera comme ça. Allez, on est parti. On va raffiner tout ça. Oh, quel joli petit cristal. Tu peux le mettre dans l'inventaire, stop. Et puis, on va l'accoupler avec notre nouvelle relique. C'est ça, relique du chaos de Palampalso. Insérer un cristal clandestine. Activé sur... Ah, voilà, tiens, hop. Guillaume, mon pauvre, tu vas te prendre une petite malédiction. Ça y est. Finalement, il va l'activer sur une femme. Oh, c'est beau. Tu es beau avec ta belle relique. Béni, Iowa a offert de nouvelles relations à Maria Rios. Grâce à cette bénédiction, son réseau d'amis vient de s'agrandir comme par magie. Et pendant que Iowa le beau mange son fabuleux poisson, qui est, je crois, médiocre, sachez que j'ai commencé à construire sa future maison, qui est plutôt un très très grand et très très beau manoir. On a commencé la construction en live sur Twitch, donc si vous voulez voir l'évolution de cette maison, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je lui fais aussi extraire des éléments des pierres qu'on a trouvées, je crois, sur Sixam. Peut-être ça fera partie d'un des éléments qui nous manque. Peut-être. Qui sait? Yes. Eh ben non, ce n'est pas un nouveau, mais on l'a quand même trouvé. Un petit élément, l'oupium. Bon, tant pis, hein. Et celui-là, c'est joli, ça, un plutonium. Hein, tu vas nous trouver quelque chose de sympa là-dedans. Ouais, et un platium qui n'est donc pas nouveau non plus. Ok. Ah. Bon, bah voilà, on va voir. Hein. La petite blablette. Une petite discussion téléphone avec ses copines. Puisque, il avait besoin de social, le pauvre chou, et les plantes ne lui répondaient pas assez. Allez, on est parti. On va aller sur Sixam. A tout de suite. C'est ça, Tsoussoul. Go Sixam, go! Allez hop, on va commencer notre chasse. Chasse, allez, on va prendre aussi. Non, les géodes, on les a déjà. Clandestine, on a déjà. Chasse au dernier cristal, qui je pense est un cristal qui vient avec les trucs qui sont jaunes. Ça y est, j'en trouve un petit peu quand même. Alors, dans ces deux-là, tu me fais plaisir? J'en veux un, s'il te plaît. Ah bah non. C'est fou comme j'ai espoir à chaque pierre qui va taper dedans, j'ai espoir. Eh bah non, toujours pas. Quoi? Hein? Quoi? Oh non, c'est pas vrai. J'ai eu la petite musique, le Nitelite. Non. Je ne te crois pas. Oh si, ça y est. Ça y est. On l'a. Oh sérieux. Oh, regardez. Yes. Il nous reste plus qu'un cristal qui est commun. En plus, le pire, quoi. C'est le truc qu'on trouve à Willow Creek derrière chaque jardin, quoi. On a enfin eu celui-là. Oh oui. Et on va pouvoir extraire un élément qui, je pense, donnera celui-ci. Oh, quel bonheur. Oh, ça y est, on avance. Et c'est parti, on rentre à la maison, du coup. Trop cool! Et nous voilà revenus à la maison où il est temps de c'est la fatigue. Hein. Ah oui, 2h du matin. Bah écoute, tu vas faire un petit pipi, tu vas y dormir. Allez! Il est temps que tu extrais un élément, là, pour que j'avance. Il a extrait un Fauzon. Mais on l'a déjà eu, ça. Attendez.
Ok, bah non, celui-là il sert à rien du coup, dit Simflouze. Allons voir la collection. Et bah du coup, voilà, je ne sais pas. Parce qu'en faisant de la clandestine, on l'a pas eu. Et puis là, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après avoir parcouru les temples de Selvadorada, après avoir bravé l'espace jusqu'à Sixam, on va simplement se balader au parc de Willow Creek en espérant trouver un cristal qui nous manque. Oui, on en est là. Il commence même à neiger dans le coin. Ça fait un peu frisquette, hein. On voit bien que l'eau, elle commence à geler et tout, hein. L'hiver va débarquer, quoi. Winter is coming. Allez, Iowa, avec ta belle tenue de hipster, va nous chercher des petits trésors. Ça, ce sera pour un fossile. Je sais même pas si les fossiles sont intéressants à l'heure qu'il est. Voilà, on en a eu deux. Tu peux me les ouvrir. Voilà, on n'a pas la musique parce qu'on a tout. Non, parce que le seul fossile qui nous manque, c'est un Savadorada. Donc en attendant, ben, tout ce qu'on va récolter, ils servent à rien. Mais tu vas où, toi, du coup, là? Parce que tu pars à la chasse, mais où? On va continuer un peu nos investigations. Oh, il a faim, Bichette. Tu as faim, mon bichon? Oh, attends, on a à manger. T'as l'habitude de manger les trucs que t'as dans ton inventaire, genre un avocat. Tu vas manger ça, tu vas manger une poire, ça te fera du bien. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton vélo? Laisse-le tranquille, ton vélo. Et bon, bah, s'il y a des cristaux qui pop dans les jardins et tout ça, je suis à l'affût. Oh, mais c'est vrai qu'il y a l'arbre enchanté. Ah bah écoute, on va tenter, hein. Alors, en plus, avec ton niveau 10 de jardinage, ça peut être facile pour toi. Un cristal qui a popé juste là. Oh, pourtant je les guette, hein, depuis tout à l'heure et ils ont pas encore, ils sont en train de popper. Oh, vas-y, vas-y, je t'en prie. Hein. Sors-moi le petit commun, là. Le petit cristal commun de Willow Creek, allez! Alors? C'est vraiment pas un truc nouveau, hein. Eh non, c'est une carte au trésor! Youpi! Alors, pour aller dans le petit monde enchanté de l'arbre enchanté, il faut l'inspecter. Quand vous pouvez, vous l'arroser. Après, il faut complimenter les branches et tout le bordel, je crois. Tu vas encore l'inspecter et encore l'arroser, on sait pas, hein. Il y a un truc dans le genre, et ça se débloque au fur et à mesure, et après ça va s'ouvrir une petite porte, et vous pourrez aller à la grotte secrète et magique. Incroyable. Regardez-moi ça. Un petit cristal commun. Hein? Oui, hein? Comment ça, je pousse pour pouvoir avoir une collection enfin complète. Allez! Oh, super. Non, c'est une boîte à la con. Super! Ah, tu dois aller aux toilettes. Il n'y a pas un toilette, il n'y a pas des buissons qui se baladent ici, hein. C'est trop nul. Alors, ça y est, maintenant on peut discuter des racines avec ce petit arbre et inspecter de nouveau, tiens. Voilà. Faut prendre le temps avec ce petit arbre. On va lui complimenter les feuilles maintenant. Oh là là, mon beau, qu'est-ce que tu as des belles feuilles et des machins bleus et des champignons rouges qui sortent de toi. Incroyable! Tu vas la réarroser, tiens, parce que je pense qu'il a soif. Oh bah voilà. Voilà. Tu peux donc aller explorer, mon petit. J'espère que je vais pas me tromper de chemin, d'ailleurs. Je crois qu'il faut descendre la rivière, un truc comme ça. Allez, Iowa, explore-moi ce gros trou béant. Yes, aventure dans l'arbre. On va aller à la clairière, et évidemment, on va aller à la clairière forestière. Donc en gros, vous avez deux propositions, vous cliquez toujours sur la première et vous y arriverez, quoi. Oh, comme c'est joli, regarde, c'est tout rose et tout ça. On sait pas d'où viennent cette clairière chelou, mais l'essentiel c'est d'y être, Iowa, tu trouves pas? Il y a même des petits machins qui volent là, des petits lutins ou je sais pas quoi. Et on entend des rires. C'est un peu flippant, limite, quand même, hein. Non, mais regardez-le, lui, regardez cette tête d'abruti. Tu sais ce qu'il a envie de pisser? On est dans un superbe endroit. Je vais attendre que ça pop et tout pour aller chercher au cas où des cristaux. Mais j'ai fait un mois des pipis. Moi, je dois faire pipi. T'es tellement dans l'abus, Iowa. On est obligé de rentrer à la maison du coup pour qu'il aille pisser. N'importe quoi. Faudrait prendre des toilettes portatives ou des couches pour adultes. Je ne sais pas. Bah ouais. Hein. Alors, ça fait du bien. Ça a l'air, ouais. Tiens, mais regardez qui arrive. Qui n'a pas vu le loup depuis un certain temps. Erika! Bon bah vas-y, tu l'inviteras à entrer.
Mais pour l'instant, je l'ai envoyé bosser un petit peu, extraire des éléments de certains cristaux que j'ai x3 voire x4. Je me dis que bon, c'est toujours ça à prendre, puis à tester. Ah bah oui, le temps que tu fasses seul, c'était presque barré. Oh, salut Listen, Rue. Erika, comment tu vas? Rafa. Oh, Gosha. J'ai cru entendre dire que bon, voilà, t'avais envie de. Voilà! Speak Elle est chops, tendue, little la demoiselle, hein. Joanna, Je pense qu'elle se demande. why? Ouais, mais pourquoi tu Please m'as pas appelé depuis des calm semaines, là, quand même? yourself. Ça commence à bien faire, hein. Tu crois que j'ai toi que toi dans ma vie ou quoi? Mais oui, bah écoute, voilà. Voilà, finalement. Ça se passe bien. Oui, meuf, la dernière fois que t'es venue, je crois que tu nous as fait au moins 5 gâteaux. Donc en fait, on s'en fout de tes gâteaux. Hein, si c'est un message caché, nous, on voit pas. Ah ouais, la frustration, on peut même plus faire crac-crac avec Erika, en fait. Ah ouais! Ah, il faut tout retaper, faut tous retaper les. Alors, elle veut bien se faire embrasser et ploter, mais. Pas plus! Voilà, il va falloir retravailler un peu au corps, la demoiselle, là. C'est pas grave, Iowa s'y emploie. Ça y est, on peut. Allez, go! Le petit crac-crac, Iowa, ça fait trop longtemps qu'il se retient aussi. Barnaby Hein, c'est peut-être Court, pour ça qu'on n'a pas de chance. Amps. Ne soyez pas jalouses, mesdames et messieurs. Peut-être qu'un jour ce sera vous. D'ailleurs, je vais vous en parler maintenant, puisque à la fin de ce challenge, dirige ces archéologues, en live, nous ferons une sorte de bachelor avec Iowa, et il faut que vous fassiez votre sim self à votre effigie, évidemment, pour pouvoir avoir une chance de flirter avec Iowa et peut-être de finir avec. Et oui, et ce sera en live sur Twitch, tout ça. Après les galipettes, on va aller se doucher et se changer les idées. En espérant, on va retourner peut-être à la clairière et tout. Hein. Moi, j'ai pas dit mon dernier mot hein, pour le dernier cristal. Oh mon Dieu! Oh je. Oh! Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache, j'en reviens pas! On a fini la collection des cristaux! On a eu le dernier cristal! Un quartz, un foutu quartz sur notre foutu deal, alors que ça fait des millions d'années qu'on creuse tous les moindres cristaux! Oh, c'est pas vrai. Oh, j'en reviens pas. Je vais aller voir ça. Oh oui, regardez-moi cette collection de cristaux, ils sont complètement tous, ça y est, tous, tout est rempli. On avance, bon sang, on avance. Oh, il me reste à avoir les éléments maintenant. Il m'en reste toujours deux à choper. Et les reliques, et effectivement, toujours le niveau 10 de logique, puisque je ne l'ai toujours pas fait travailler sa logique. Donc il n'y est pas encore, mais il reste 18%, ça va encore. Vas-y, tu vas brûler et tu vas t'éloigner. Allez, il faut bien faire un feu de joie hein, pour marquer cette fin de collection de cristaux. Enfin, il était temps. Alors, avant qu'Erika vienne le perturber, on était en train de sortir des éléments. J'ai pris la turquoise et la plombite. La plombite, il n'a pas réussi. Donc, on va réessayer et après, on va reprendre le fameux quartz hein, qui nous manquait tellement pour qu'on puisse essayer de trouver un des éléments qui nous manque encore. Ah là, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment la fin de la fin. Vraiment, ce qui va être le plus compliqué, je pense que c'est le truc d'argile là, enfin de le fossile de Savadorada et les reliques. Mais bon, on va y arriver un jour. S'il fût en faire 20 épisodes, on y arrivera. On a reçu un occipine que je sais pas ce que c'est, mais comme on n'a pas eu la musique, je me doute que c'est pas quelque chose. Qu'on avait, enfin que c'est quelque chose qu'on avait, pardon, oh là là, je commence à m'embrouiller dans mes. Non, j'en reviens toujours pas, quoi, on a enfin eu le quartz. J'allais repartir à la truc, j'ai dit ouais, il y a un cristal là, allez, je le prends, mais histoire de quoi. Et puis franchement, je m'y attendais vraiment pas. Et bien sûr, bah c'est donc pas ce cristal-là, enfin cet élément qu'il nous fallait. Voilà, et tu extrais un élément du quartz. Voilà, allez, je croise les doigts, c'est pas. On n'a pas fini encore, je. L'aventure peut être encore très longue. Ah, c'est bon. Il a eu un plumbobus. Là, du coup, je sais que on l'a déjà. Je sais pas, ce nom me dit quelque chose. Il est rare. Il est rare, mais pas assez, mon fils. Voilà, il ne remplit pas mon truc. Donc, t'as beau être rare, t'as beau être cher, je m'en fiche. Tu dégages. Allez, le quartz. Allez, le quartz. J'ai de gros espoirs en toi, le quartz. Go. Alors, c'est un Yibs, un volanton. Et pas de musique.
J'y arriverai jamais. Un volanton, c'est un commun. On va voir ça. De toute façon, si on n'a pas la musique, hein, vous connaissez maintenant la musique de la petite musique. Voilà, ça ne sert à rien. On l'avait déjà. La 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 la. Erika qui nous envoie un petit mot là. Alors, je sais que ça a semblé dingue à cause de notre amitié et tout, mais bon, voilà, tu me plais. Piou. Voilà, c'est dit. Alors, est-ce que tu aimerais qu'on sorte ensemble un de ces jours? Tu es fantastique. J'ai vraiment envie de passer plus de temps avec toi. Mais on sait déjà parce qu'en fait, on a déjà couché avec toi. Enfin, Ayo a déjà couché avec toi, quoi. Donc, on le sait. La ghostée, pour moi. Ouais, mais j'ai pas envie de. Ouais. Ah, d'accord. Waouh, vraiment, c'est génial. J'ai vraiment bien fait d'oser te poser la question. Dis-moi ce qui t'arrange et on s'organisera une sortie. Ouais, c'est ça. On en reparle. James. Tiens, tiens, tiens. On a eu du courrier avec la petite musique. Je vous en prie, hein. Donnez-moi une bonne nouvelle. Oh. Oh. Non, ça veut dire qu'on aurait un nouvel élément. Alors, dites-moi tout. Oui, ok. Toi, t'es venu à plusieurs. Toi, t'es venu tout seul et toi, t'es venu avec un pote aussi. Ok, ils sont tous là. Le Xénopétrium. Oh putain, ça, je crois que c'est celui-là. Le Kritaku, celui-là, on l'a déjà. Le Melaku, on l'a déjà. Donc Melaku, on l'a déjà. Le Platium, ouais. Et l'Upium. En même temps, ici, c'est ceux qui sont, je crois, du jeu de base. Hein, parce que ça, c'est un panneau qui date du jeu de base. On va aller voir ça tout de suite dans la collection. Oui, c'est bien le Xénopétrium. Mais comment je l'ai eu? Parce qu'en fait, j'avais envoyé des trucs à vous savez, là, conseil de géologie. Et puis voilà. Oh mon Dieu, il nous reste un élément insolite. Du jeu de base, quoi. Oh là 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 là. Je ne sais plus quoi faire, quoi penser. On est à quelques poils de cul de finir les collections, quoi. Les collections officielles, évidemment. Et parce que ça fait longtemps, on se remet un peu de logique. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore fini cette compétence. Hein, donc on avance tout doucement. Mais parce que si je vais trop vite après, il n'y a plus de compétition, vous savez, on a déjà tout fait et tout ça. Donc non, ça va, tranquille. Voilà, 75%, c'est bien. En fait, je sais pas compter. J'avais dit 18%, mais non, c'était 28%. Tout va bien, c'est normal. Et on va authentifier un objet ancien. Je ne sais pas du tout si c'est un objet qu'on doit renvoyer du conseil, là, du machin qui nous les envoie ou pas. Mais il faut que j'épure un peu parce qu'on en a quand même encore beaucoup dans l'inventaire. Alors, c'est un truc authentique. Oh, bah écoute, faisons don au musée, t'as raison. On va faire beaucoup de dons, de toute façon, sache-le, mon petit. Et comme je sais que vous êtes déçus, si vous n'avez pas de Simrumba, on finit avec ça en beauté. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du richissime archéologue. Avec le dernier élément? Avec le niveau 10 en compétences de logique? Ah bah, je l'espère. Et puis après, il ne restera plus qu'à Salvadorador, il faudra tout déchirer. Moi, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. N'hésitez pas à partager la chaîne sur vos réseaux sociaux, liker, commenter. C'est bon pour la santé de la chaîne. Gros bisous, à bientôt, ciao.